Bonjour à tous. Bonjour. Il est 11h, on va se donner quelques minutes là, le temps que tout le monde nous rejoigne. Est-ce que, simplement pour commencer, certains d'entre vous peuvent me confirmer que le son est correct et que vous entendez correctement? En toute logique, vous avez un petit module chat qui vous permet d'échanger avec nous tout au long de la présentation. Si je peux avoir la confirmation. Pas de confirmation pour l'instant. Justine, c'est bon pour ça? Vous entend bien, c'est bon. Ok. On se donne quelques petites secondes et puis on démarre tout de suite. Je pense que tout le monde est arrivé. Bon, en tout cas, merci encore à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour cette intervention. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je suis Romain André. Donc moi, je suis directeur conseil au sein de la société. Je suis accompagné aujourd'hui de Fanny. Bonjour, moi je suis Fanny Benin, donc je suis responsable de l'activité BI chez Synolia. Donc j'accompagne nos équipes et nos clients pour mener à bien tous leurs projets autour de la data. Et donc aujourd'hui, on va prendre une trentaine de minutes pour échanger avec vous sur les intérêts d'une stratégie de business intelligence, principalement dans un contexte e-commerce. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, mais promis, ce sera très très court. Je vais simplement poser notre légitimité par rapport à notre intervention d'aujourd'hui en présentant l'agence qu'on représente aujourd'hui, Synolia. À savoir qu'aujourd'hui, donc Synolia, c'est une société informatique qui met en place des projets informatiques pour ses clients sur le concept de DXP, c'est-à-dire des plateformes d'expérience digitale, dans le but de libérer le potentiel de croissance de ses clients sur trois pôles d'expertise principaux, à savoir le e-commerce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, la business intelligence et tout ce qui a trait au projet CRM, à savoir la gestion de la relation client. Et tout ça dans une logique de plateforme, c'est-à-dire d'associations, de produits, de services qui permettent de couvrir tout ou partie de ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire d'une plateforme d'expérience digitale, à l'aide de solutions qui vont nous permettre d'adresser tout ou partie de ces besoins dans une logique sur mesure et surtout interconnectée entre elles et à votre système d'information. Aujourd'hui, évidemment, notre rôle, c'est de prendre soin de l'expérience client parce que c'est plus un sujet de penser des expériences qui sont personnalisées quand on parle de parcours, quand on parle de logique d'achat et de parcours d'achat. Mais surtout, et c'est ce qui va principalement nous intéresser aujourd'hui, d'expérience utilisateur et collaborateur, à savoir la capacité à mettre des outils qui sont adaptés à l'expérience délivrée à vos collaborateurs dans le but de faciliter leur adoption et de mettre en place évidemment des outils qui vont être exploités par vos différents services dans le but de faire fructifier vos investissements, mais aussi dans une logique de collaboration, c'est-à-dire la capacité de ces outils à faire dialoguer des équipes qui traditionnellement sont silotées ou qui ne travaillent pas ensemble, alors en interne mais aussi en externe avec vos partenaires, dans le but de lisser le partage de connaissances et de faciliter la communication entre ces. La prestation de service de Synolia, c'est de proposer un accompagnement complet depuis la phase très amont de conseil et de stratégie jusqu'à la phase d'implémentation de ces projets. Évidemment, sur tout ce qui est optimisation et phase d'exploitation, à la fois technico-fonctionnelle avec une prestation en support, en assistance et formation, mais aussi, et on le verra aujourd'hui, sur l'exploitation de vos données pour pouvoir tirer le meilleur parti, pardon, des outils qu'on vous met en place. Et puis sur des missions un peu plus coup de poing et un peu plus isolées, des projets d'audit et d'optimisation sur des projets qui n'auraient pas été initiés par nous pour pouvoir améliorer ces écosystèmes. En quelques chiffres, et j'aurai terminé, Synolia aujourd'hui, c'est six agences, historiquement en France, mais depuis un peu plus de 2 ans, au Chili, à Santiago et à Montréal depuis l'été dernier, ce qui représente un peu plus de 130 collaborateurs à l'échelle internationale. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 250 clients actifs sur l'exercice qui se termine à fin mars. Et puis, pour toutes les problématiques de chiffres, tout est publié. N'hésitez pas à consulter nos chiffres pour avoir la santé financière de l'entreprise.
J'en ai fini avec ces chiffres et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout de travailler sur les concepts de business intelligence et dans un contexte e-commerce. Donc, je vais commencer cette présentation en travaillant sur le contexte e-commerce, puisqu'aujourd'hui, il a bien changé. On ne fait pas du e-commerce aujourd'hui comme on le faisait il y a 5 ans, ni même peut-être encore l'année dernière. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de e-commerce, le premier constat qu'on fait, évidemment, c'est que faire du e-commerce aujourd'hui se complexifie. Et que quand on travaille sur une stratégie de commerce en ligne, qu'elle soit B2B, B2C, qu'elle soit de commerce unifié, aujourd'hui, naturellement, on arrive à un agglomérat de concepts autour de la notion de commerce composable. On l'a vu avec la notion de DXP que je vous présentais à l'instant. On parle tout de suite d'interopérabilité des systèmes. On parle de logique best of breed avec une multitude de services et de solutions qui vont graviter autour de notre plateforme e-commerce et que faire du commerce aujourd'hui implique nécessairement tout un tas de notions pour servir les expériences dont je vous parlais à l'instant. Si on prend des grandes lignes par rapport au e-commerce aujourd'hui, je pense qu'il faut considérer que le monolithe est mort. Aujourd'hui, on n'a plus de plateforme e-commerce qui adresse l'intégralité des problématiques de nos clients, que ce soit sur le cycle de vie d'un produit, d'une commande, d'un client. On a de plus en plus d'outils qui sont dédiés, naturellement, parce que les attentes, les besoins, vos ambitions aujourd'hui sont de plus en plus grandes. Les attentes des clients sont de plus en plus importantes. Les clients sont de plus en plus matures et attendent une vraie relation personnalisée entre votre marque et leur parcours d'achat. Et donc aujourd'hui, naissent des besoins qui sont autour de métiers qui sont dédiés, avec des outils qui sont dédiés. On va parler de search, on va parler de merchandising, on va parler de PIM et de RP quand on parlera de données produits, on va parler de toutes les problématiques CRM, que ce soit du support client en amont du parcours d'achat, de l'aide à la conversion et même du support post-achat. Ce qui nous amène à des plateformes de plus en plus complexe ou au moins de plus en plus vaste et de plus en plus interfacé au sein d'un système d'information. On a aussi évidemment, et c'est amené par cette multiplicité des produits, de plus en plus de données partout, tout le temps. Chaque outil aujourd'hui apporte son lot de données. On a de plus en plus besoin dans ce contexte-là de mesurer l'efficacité des actions entreprises. Parce que d'avoir de plus en plus d'outils, d'avoir de plus en plus d'interfaces, d'avoir de plus en plus de personnes qui travaillent autour de ces plateformes e-commerce, pose nécessairement la question de la rentabilité de nos investissements. Et donc, dans ce contexte-là, mesurer l'efficacité des actions et l'intérêt des outils qu'on met en place devient une nécessité. En termes de données, on sait aussi que chaque outil qu'on va implémenter dans ces écosystèmes apportera une solution d'analyse de data. Déjà pour justifier de la pertinence et de la rentabilité de sa propre action, mais aussi parce que c'est devenu légion d'arriver à travailler sur des dashboards, des indicateurs qui vous permettent d'ajuster dans des approches test and learn des stratégies et qui permettent d'intégrer directement au sein de chacun des outils la data. Et que par rapport à tout ça, on se retrouve à une sorte de schizophrénie philosophique, à savoir que alors qu'aujourd'hui, on va chercher à mettre en place des outils de plus en plus communs dans des stratégies commerciales, que ce soit en ligne, en physique, par l'intermédiaire de partenaires, c'est-à-dire mettre en place une stratégie de commerce unifiée, on se retrouve avec des datas qui sont de plus en plus silotées à l'échelle des outils qu'on met en place, et ça, dans une vision très, très fermée de nos analyses, et que ça, on va voir avec l'aide de la BI comment pouvoir s'en séparer. Par rapport à ce que je viens de dire, aujourd'hui, travailler sur de l'analyse de données, travailler sur des stratégies de business intelligence, c'est nécessairement travailler sur une donnée orientée. Comme je disais, on a de plus en plus de données, on a un volume de données qui est de plus en plus important, qui est en revanche de moins en moins exploité ou de moins en moins exploité de manière pertinente, et que la nécessité de mener des analyses transverses, que ce soit à l'échelle de vos canaux de diffusion ou à l'échelle des outils que vous exploitez, devient une nécessité, et ça, je laisserai Fanny le détailler. Aujourd'hui, trois tendances dans lesquelles la business intelligence côté e-commerce devra vous aider à répondre, c'est 1. Ne pas tomber dans la tendance à travailler sur l'intuition. Aujourd'hui, vous avez cette data, on verra comment, mais
On a l'habitude de formuler ce qui ne se mesure pas n'existe pas, c'est d'autant plus vrai dans une stratégie e-commerce. On va voir dans les slides suivantes comment travailler autour de tout ça pour ne plus travailler sur l'intuition, mais dans une démarche pragmatique, factuelle et d'amélioration continue. De ne pas succomber à la tendance du toujours plus. Encore une fois, tous ces outils apportent des données, tous ces outils apportent des indicateurs. Aujourd'hui, alors selon les dernières études, la majorité des entreprises n'exploitent pas plus de 14% de la donnée qu'elles stockent. Quand on dit qu'elles stockent, c'est surtout une analyse pertinente. Comment faire aujourd'hui des analyses croisées et comment arriver à travailler de manière pertinente avec la donnée qu'on stocke? Et si le mieux est l'ennemi du bien, quand on va parler de business intelligence et de données, le plus est l'ennemi du suffisant et on verra que s'attacher à capter l'essentiel de votre data pour pouvoir sortir des analyses pertinentes plus que chercher à tout traquer est souvent bien plus pertinent. Et puis, je le répète, mais c'est vraiment la clé de notre intervention aujourd'hui. Dans une logique de commerce unifié qui va chercher à optimiser vos investissements quand il s'agit de mettre en place un outil entre vos canaux de diffusion, entre vos différents marchés, entre vos différentes problématiques métiers, qu'il s'agisse encore une fois de clients, de catalogues ou de produits, chercher à partager les données pour pouvoir évangéliser le succès de vos projets, de vos stratégies commerciales et l'efficacité de vos actions est primordial, mais je vais laisser la parole à Fanny qui va détailler tout ça. Merci Romain. En effet, comme tu l'as dit, aujourd'hui, dans un contexte e-commerce, on a de plus en plus de solutions, on a de plus en plus de données. Et toutes ces données, elles apportent leur lot d'indicateurs, d'analyses nécessaires. Toutes ces solutions apportent aussi, comme tu le disais, un certain nombre d'outils de reporting. Maintenant, moi, je vais essayer de vous montrer pourquoi, pour autant, la BI, aujourd'hui, n'est plus une option telle qu'elle peut exister, donc n'est plus une option pour piloter votre activité e-commerce ou d'ailleurs toute autre activité. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais évoquer, vous présenter cinq fonctionnalités, cinq concepts qui peuvent être des concepts classiques, bien connus de la BI, mais aussi des fonctionnalités, des choses plus modernes qui peuvent exister aujourd'hui dans les solutions de BI telles qu'elles existent. Donc avec pour chacun de ces cas d'usage, on va essayer de se projeter par rapport aux problématiques e-commerce que vous pouvez rencontrer, par rapport à vos données, etc. Donc pour commencer, premier élément, premier concept, le classique, un outil de BI aujourd'hui, tel qu'on va en parler, c'est tout d'abord de la data visualisation. De la data visualisation, c'est simplement, comme vous pouvez le voir ici sur ces quelques captures d'écran, c'est des beaux visuels, c'est la mise en forme de vos données. Donc, c'est un peu le B.A.B.A. Hein. Quand on met en place un outil de BI, l'objectif initial, c'est de créer ces dashboards, de faire ces analyses de volume, ces analyses de montant, analyser son nombre de commandes, ses unités vendues, voire pour certains même son nombre de cartons, etc. Visualiser des tops, des flops par catégorie ou famille de produits, de références produits, et tout ça avec des évolutions dans le temps. Donc maintenant, la data visualisation, c'est quoi son intérêt? C'est de choisir le bon visuel pour avoir la bonne info, pour vous permettre de prendre la meilleure décision à partir de vos données. Donc ça va paraître, par exemple, être, je veux faire une comparaison, qu'est-ce que je vais mettre en place? Un graphique en barre de mon top produit, par exemple. Je veux connaître la relation entre deux mesures, en quoi mon chiffre d'affaires influe sur mon taux de marge. Je vais opter pour un classique nuage de points, mais aussi des choses un peu plus poussées qu'on va retrouver justement dans ces outils de DataViz. Ce graphique-là qu'on voit qui met en relation un lien entre deux mesures, par exemple, tel groupe client, qu'est-ce qui va aller commander comme catégorie, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement visualiser en passant par des outils de data visualisation, donc des outils qui vont vous mettre à dispo vraiment quelque chose d'exhaustif en matière de visuel de données. Donc ça va aussi être la possibilité, bien entendu, d'identifier quelle est la composition de mes ventes, est-ce que je vends plus telle ou telle catégorie dans telle région. Donc pour ça, on va passer par des visuels de type Tree Map ou des simples camemberts. Donc je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tous ces visuels qui existent. Justement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des capacités pour aller au-delà du simple graphique en barre, au-delà de la courbe, qui vont vous apporter vraiment des infos qui vont vous permettre d'aller plus rapidement sur la bonne prise de décision, sur la bonne visibilité de vos données.
Donc tout ça, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est quelque chose de très dynamique. On n'est pas sur du reporting, on n'est pas sur votre tableur Excel. On a des filtres, on fait des sélections. Donc c'est-à-dire que ben, tout ce que vous voyez à l'écran ben, va pouvoir, en fonction de la sélection que je fais sur un filtre de période, se mettre à jour. Je vais pouvoir comparer mon année en cours, mon année précédente, mais aussi ben, ma période de vente privée de cet été par rapport à la période de vente privée de l'année dernière. Comment est-ce qu'elles ont débuté? Quels sont les produits phares qui sont le plus vendus? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va construire avec ces dashboards et qui vont en fait s'adapter à votre flux de pensée. Qui vont vous permettre de naviguer dans vos données pour ben, creuser et vous poser au fur et à mesure beaucoup de questions et trouver toutes vos réponses. La data visualisation, c'est aussi des calculs plus complexes que ce que vous allez pouvoir retrouver dans ben, les outils justement de reporting, les dashboards classiques que vous allez avoir dans l'ensemble de vos solutions, dans votre PIM, dans votre back-office e-commerce, dans votre CRM. La BI, l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des calculs complexes. Donc, si je me mets par exemple sur l'analyse de vos données clients, ça va être d'être en capacité de calculer un taux de réachat, des fréquences d'achat chez vos clients, donc de tel ou de tel groupe, chez les clients qui ont commandé telle catégorie de produits, qui font partie de telle cible de campagne, etc. D'un point de vue plus logistique, ça va être la capacité d'aller calculer des couvertures de stock sur X jours en fonction de mes ventes de produits, en fonction de mon prédictif de vente. Donc voilà, des choses beaucoup plus complexes. C'est pas forcément là où on va aller dans un premier temps, mais où on va en tout cas avoir envie de se fixer comme objectif d'être en capacité de sortir assez rapidement tous ces chiffres-là. Donc on va enrichir la donnée pour aller plus en profondeur et pour automatiser davantage, être moins chronophage que ce qu'on peut faire sur un Excel. Donc ça, c'est le classique de la data vise. Maintenant, l'objectif de ces solutions de BI, ça va être d'être clé en main et de s'adapter ben, à vos données, de s'adapter à vos besoins. Donc vos besoins d'hier, ce ne sont pas ceux de demain, puisque ben, par exemple, je mène une campagne sur telle catégorie de produits, sur telle typologie d'offres. Ben, je vais avoir besoin de me focaliser sur cette campagne-là, de focaliser mes analyses sur certains indicateurs précis liés à cette campagne. Et pour ça, il faut que ma solution, il faut que mes indicateurs soient très flexibles. Là, ce qu'on va avoir au niveau de la business intelligence aujourd'hui, c'est des fonctionnalités d'intelligence artificielle, hein, de plus en plus. Donc, on va retrouver ce qu'on avait depuis déjà quelques années, le self-service. Donc, l'objectif de mettre aux mains des utilisateurs métiers des solutions avec un simple drag and drop pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leur dashboard. Mais on va aussi maintenant retrouver une espèce de robot d'assistant virtuel directement intégré aux solutions de BI pour que n'importe quel utilisateur, même le moins technique, puisse à un instant T répondre à une question sur ces données. Donc pour ça, on va pouvoir se faire guider de deux manières. Soit je pose ma question en langage naturel, hein, donc comment ma campagne VIP 2023 influe sur mon taux de marge, influe sur mon nombre de commandes, influe sur tel groupe client. Donc ça, vraiment, lui poser la question en français et il va vous proposer un certain nombre d'analyses. Deuxième possibilité, donc rester dans cette possibilité d'être guidé dans l'analyse pour dire bah, je veux faire justement une comparaison de telle campagne avec telle autre campagne que j'ai menée l'année dernière. Bah, je lui indique simplement que je veux faire une comparaison et il va me guider, il va m'expliquer comment, pas à pas, je peux créer mon dashboard pour répondre à cette question-là. Donc, ces fonctionnalités-là qu'apporte le machine learning, qu'apporte l'intelligence artificielle à la BI aujourd'hui, ça va vous permettre un meilleur contrôle de l'activité puisque vous allez pouvoir bah, vous adapter rapidement, adapter vos analyses pour être bah, toujours dans le contexte de votre activité au jour le jour. Donc, toutes ces réponses se trouvent dans vos données et c'est la BI qui va vous permettre bah, de vraiment répondre à toutes ces questions. Donc ça, c'était la première étape donc qu'apporte l'intelligence artificielle aujourd'hui à la BI. La seconde étape, ça va vraiment être sur plus au-delà encore du simple machine learning, ça va être de mettre à dispo des modèles de data science directement dans vos outils de BI. Et ça, bah, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous permettre de mieux appréhender ce qui va se passer demain. Donc ce qui va se passer demain, puisque vous allez être en mesure de par donc ces modèles de data science, d'avoir accès à des fonctionnalités bah, de langage comme du R, comme du Python, mais bien plus accessibles. Pour faire, par exemple, bah, du prédictif de vente, hein, en lui fournissant les bonnes données sources
il va être en mesure de vous faire une courbe de forecast de là où vous allez atterrir au niveau des ventes de tel ou tel produit, ce qui va vous permettre à la fois de mieux anticiper vos tendances, mais aussi de mieux anticiper vos stocks, hein, puisqu'on va être capable de dire, OK, je vais vendre telle quantité potentiellement de tel produit, à côté de ça, où en sont mes stocks, et adapter tout ça en fonction. Donc vraiment être sûr. Voilà, on a vu avec la Datavise ce qui se passe à l'instant T, ce qui s'est passé hier, et maintenant la BI elle va vous permettre surtout de se demander qu'est-ce qui va se passer demain. Ça va aussi être faire des analyses de données, ce qu'on appelle des analyses de masse, sur des analyses de cohorte de vos clients, de vos produits, pour connaître par exemple quelle est la probabilité que tel groupe de clients achète tel produit en particulier, par exemple. Donc ça, encore une fois, on va passer par la data visualisation et par ces solutions d'augmented analytics pour vous apporter ces réponses-là par le biais de la BI. Dernier type de modèle qui peut être rendu accessible dans la business intelligence, c'est ce qu'on appelle les scénarios what if. Donc ça, c'est des scénarios qui sont souvent très utilisés par les fonctions finance, hein, pour tout ce qui est analyse des coûts, analyse de la rentabilité. Un scénario what if, en fait, ça va être la possibilité d'aller jouer sur un paramètre, par exemple le prix de vente, le taux de promotion, et de voir en direct, en live, en quoi si je fais bouger le curseur sur ce paramètre, ça va influencer mes ventes, ça va influencer mon nombre de commandes, mon chiffre d'affaires, ma marge, etc. Donc l'outil de BI là-dessus va automatiquement et en direct redistribuer vos données et recalculer votre prédictif de données par rapport à tout ça. Donc, c'est des analyses, bien entendu, qui demandent un peu plus de connaissances de la donnée, hein. C'est ce qu'on va aller, encore une fois, viser une fois qu'on a déjà mis en place son cadre, hein, c'est-à-dire ses indicateurs clés, et qu'on va vouloir aller plus loin, qu'on va avoir besoin de répondre à plus en plus de questions. Donc, ça va demander aussi plus de préparation en amont, ça va demander des données plus propres, et ça, on verra comment est-ce qu'on va pouvoir justement transformer ces données avec les solutions de BI par la suite. Donc, maintenant, savoir ce qui s'est passé hier, savoir ce qui se passe demain, c'est bien. Maintenant, il y a un mot-clé aujourd'hui qui existe en BI, c'est l'immédiateté. L'immédiateté, c'est-à-dire le temps réel, puisque on va avoir de plus en plus besoin de prendre la bonne décision au bon moment, puisque tout va très vite, et que certains indicateurs, ils n'ont parfois aucun sens lorsqu'on les connaît 24 heures plus tard, ou même moins parfois. Si on parle d'analyse de transport, par exemple, on a besoin d'être informé quasiment à l'instant T, en temps réel, de ce qui se passe. Donc pour mener les actions au bon moment, c'est ce qu'on va appeler de plus en plus la notion d'active intelligence, donc la possibilité d'être informé en temps réel. On va avoir différentes fonctionnalités aujourd'hui qui existent dans ces solutions de BI de traitement de la donnée. Ça va être par exemple tout le classique, recevoir une alerte sur Slack, sur Teams, en notification push sur votre téléphone ou simplement par mail lorsque vos indicateurs atteignent un certain seuil. Donc si je me mets du côté de la logistique, c'est recevoir directement une alerte avant d'être en rupture, hein, parce qu'une fois qu'on est en rupture de stock sur un produit, c'est déjà trop tard. Donc recevoir des alertes à ce moment-là, recevoir des alertes lorsque mes objectifs sont atteints, lorsque tel produit est en train d'exploser en termes de quantité vendue, etc. Ou aussi plus de nouveau plus sur les transporteurs, lorsque un transporteur atteint sa capacité max de prise en charge de mes colis, pouvoir intervenir très rapidement pour répartir mes commandes sur d'autres de mes transporteurs, par exemple. Donc ça, c'est la première capacité qu'on retrouve aujourd'hui, hein, dans n'importe quelle solution de business intelligence moderne. La seconde, ça va être de dire, OK, on n'a pas forcément besoin d'être toujours alerté sur les données, mais par contre, si je veux vraiment que mes équipes, que l'ensemble de mes collaborateurs utilisent la donnée au quotidien, ce qu'on a remarqué, nous, c'est que cette donnée, si on leur demande de se connecter à une énième solution pour aller la consulter, ils ne le feront pas forcément. Et du coup, forcément, tous les efforts qu'on aura mis pour mettre en place cette stratégie data, seront un peu réduits à néant, puisque la solution ne sera pas forcément utilisée. Pour ça, une chose simple, c'est d'intégrer la donnée dans les outils que vos équipes utilisent déjà au quotidien.
Donc, si on parle d'équipe commerciale, ça va être intégrer la donnée directement dans une solution de CRM. Ça va être intégrer la donnée donc, qui vient de votre BI directement dans votre back-office e-commerce, par exemple, ou même ben, dans d'autres solutions, des portails fournisseurs, des portails clients, des portails pour aller la pousser aussi à l'extérieur de votre entreprise, cette donnée-là. Et ça va permettre ben, à vos équipes non plus d'être ben, d'aller chercher la donnée, mais d'avoir la donnée qui vient à eux. Donc, cette donnée, comme on l'a vu, ces calculs complexes, ces analyses avancées qui existent dans la BI, qui sont dynamiques, qui sont automatiques, de les avoir directement au sein des outils qu'ils utilisent au quotidien pour ben, mettre aussi, encore une fois, en contexte les indicateurs qui sont les plus pertinents à chaque instant. Dernière possibilité aussi pour ben, être au cœur de l'action, pour que votre donnée soit au cœur de l'action, c'est automatiser un certain nombre de choses. Puisque ben, la BI, encore jusqu'à très récemment, c'était vraiment de la lecture de la donnée. Elle était là vraiment pour vous dire voilà ce qui s'est passé. Et après, bon, bah, débrouillez-vous, mettez en place les actions que vous jugez les plus pertinentes. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui a un peu changé. Les outils de BI veulent vraiment être au cœur de l'action. Donc, on a les deux premières fonctionnalités que je vous ai présentées, mais on a aussi la possibilité de mener des workflows directement depuis certains outils de BI. Donc, ça va être par exemple de dire. Si je suis sur mon analyse, par exemple, mon analyse de données clients, être en capacité d'utiliser toute la puissance de navigation dans la donnée que me fournit ma BI pour aller faire de la segmentation client ultra précise, faire quasiment du marketing one-to-one, hein, donc dire, OK, je veux avoir ma liste de clients qui ont ben, commandé à telle période tel type de produit, voire même sur telle région. Et là, donc, avoir cette liste de cibles qui apparaît. Et en un bouton, pouvoir ben, l'envoyer directement dans mon outil de marketing automation, par exemple. Donc, la BI, il faut voir qu'elle peut être vraiment aussi au cœur de ces workflows-là. Elle va ben, vous permettre d'automatiser un certain nombre d'actions que vous jugez pertinentes, que vous jugez trop chronophages aujourd'hui, par exemple. Donc, voilà pour cette partie immédiateté. Donc, maintenant, le dernier principe dont on voulait vous parler, donc pas des moindres. Hein. On a vu ben, comment analyser sa donnée, on a vu comment ben, être réactif par rapport à sa donnée, comment aussi visualiser ce qui va se passer demain et être capable de mener une action au bon moment. Maintenant, toutes ces choses-là, ben, ça va être pertinent de les mettre en place si vous avez la bonne donnée. Et la bonne donnée, ben, il faut se dire qu'elle n'est pas forcément uniquement dans votre plateforme e-commerce, comme le disait Romain. Aujourd'hui, elle est dans X solutions. Ces X solutions, ça va être ben, vos outils de CRM. Hein, potentiellement, vous en avez plusieurs pour aller chercher votre donnée client. Ça va être des stocks qui sont au niveau d'un WMS. Ça va être des prix qui sont dans un ERP. Ça va être ben, l'ensemble des données produits qui sont dans votre PIM, l'ensemble des réclamations qui sont dans l'outil de service client. Et bah, vos ventes qui ne sont pas uniquement dans votre plateforme e-commerce, mais qui peuvent être aussi sur X Marketplace, voire même la volonté d'aller aussi faire des analyses multicanales si vous avez des magasins physiques, etc. Donc tout ça, c'est toutes les données utiles et pertinentes à vos analyses. Et toutes ces choses-là, bah, soit vous continuez de les analyser au sein de chaque outil via des exports manuels, via des choses assez chronophages, soit vous faites le choix de construire votre catalogue de données unique. Et là-dessus, c'est là où la BI va être vraiment la clé de tout le reste, puisque ben, ça va vous permettre d'avoir des vues consolidées à la fois de vos clients, à la fois de vos ventes, et là d'avoir ben, toutes les clés en main pour répondre à l'ensemble de vos questions et de désiloter justement cette donnée, comme on le disait, puisque ben, on va pouvoir collaborer davantage, on va aller chercher de la donnée qui est au sein de l'ERP, donc de la donnée qui était potentiellement plus au sein des, enfin, dans les mains de certaines équipes financières, par exemple, pour aller bah, les mettre à dispo aussi de l'équipe e-commerce, les mettre à dispo de l'équipe marketing pour qu'on collabore au sein de la BI sur les données des uns et des autres afin bah, d'avoir les indicateurs les plus pertinents pour chacun. Donc, ça va être voilà, la possibilité de travailler main dans la main entre la logistique, entre le marketing, entre les équipes financières et e-commerce. Tous ces éléments-là aussi, ben, ça va simplifier un certain nombre de flux de développement puisque ben, vous n'allez plus avoir besoin d'aller intégrer telle valeur de champ qui vient de mon e-commerce, de l'intégrer dans mon CRM puisque vous allez tout retrouver directement dans la BI. Et c'est là ben, où vous allez obtenir vraiment la valeur ajoutée sur vos données puisque ben, derrière, n'importe quelle analyse pourrait être mise en place pour
pour savoir justement plus précisément ce qui va se passer demain et mieux comprendre aussi ce qui s'est passé hier. Donc voilà pour l'ensemble de ces fonctionnalités de business intelligence aujourd'hui qu'on a vu. Donc si je devais résumer tout ça, la BI aujourd'hui, donc c'est pas un projet d'une seule équipe métier, il faut que ce soit un projet d'entreprise pour que ce soit pertinent. Vous avez peut-être déjà mis en place des solutions de business intelligence. Maintenant, ben, l'objectif là, c'était de vous montrer en quoi est-ce que il faut, enfin sur quels axes il faut le plus s'appuyer aussi pour que ces projets de business intelligence soient une réussite et soient une réelle valeur ajoutée au niveau de l'entreprise et pas uniquement au niveau d'une équipe. Il faut vraiment démocratiser l'accès à ces solutions, démocratiser l'accès à ces données pour que chacun partage à la fois les mêmes analyses, les mêmes règles métiers et les mêmes indicateurs au même moment. Et qu'on puisse ben, tous ensemble prendre les bonnes décisions, mener les bonnes actions au bon moment et être en capacité d'être réactif et de s'adapter à chaque contexte et à chaque cas qui peut arriver pour ben, remettre en place ces dashboards, remonter toutes ces analyses au bon moment. Donc voilà pour moi. Romain, toi, est-ce que tu avais des choses à rajouter par rapport à tout ça? Alors, ajouter non, mais je lis les questions qui arrivent et je pense que, enfin, en tout cas, c'est le moment de poser vos questions dans le module questions que vous avez à disposition. On peut peut-être prendre les premières épreuves qu'une stratégie e-commerce aujourd'hui ne s'arrête pas à sa solution e-commerce parce qu'en fait, on a plusieurs questions qui sont liées au CRM. Je vais prendre la question de Laura et d'Arun que je vais essayer de fusionner. En fait, il y a deux questions. C'est est-ce qu'aujourd'hui, une solution de BI peut être interfacée avec n'importe quel CRM? Et une question qui est liée, et je pense qu'on peut peut-être clarifier, sur le sujet de, oui, la BI va consolider l'intégralité des données issues de toutes les sources et de tous les outils qu'on a aujourd'hui dans un écosystème et dans une plateforme digitale, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le rôle de la BI de pousser de la donnée dans ces outils? Ouais. Et notamment avec le CRM dans le cas de la question de Laura. Ok. Alors pour la première question du coup liée au CRM, oui, on va être en capacité. Enfin, en tout cas, c'est l'intérêt hein, d'une solution de BI, ben, comme je les appelais, la moderne, et pas d'une solution de reporting, c'est d'être capable d'aller se connecter à n'importe quel outil, à n'importe quelle solution. Donc il y a toujours une possibilité d'aller chercher de la donnée dans un outil CRM, soit en se connectant à la base de données, soit en se connectant via des API, etc. Aujourd'hui, voilà. Que votre CRM soit dans le cloud, que votre CRM soit chez vous on-premise, un outil de BI moderne va pouvoir aller chercher de la donnée. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, vous soyez sur Salesforce, sur Fugger CRM ou sur HubSpot, on va pouvoir aller chercher la donnée client qui vous intéresse. Après, faut par contre, comme on le disait, se focaliser sur la donnée utile, ça ne sert à rien de remonter tout votre CRM dans la BI parce que ce ne sera pas des choses utiles. Et deuxième pan, c'était plus de dire est-ce que c'est le rôle de la BI d'aller pousser de la donnée dans ces outils-là, donc dans le CRM ou dans le marketing automation, ouais, par exemple. La question, elle était liée par rapport à la segmentation et ce que tu disais sur le marketing one-to-one. Alors, c'est pas son rôle à la base, mais aujourd'hui, vu que la BI a la volonté à être de plus en plus au cœur de l'action, c'est des choses qui vont, enfin nous en tout cas, qu'on retrouve de plus en plus souvent, ces workflows-là, ces mises en place de workflows. Pour aller écrire après, on ne va pas aller utiliser enfin, l'outil de BI tel que je vous le présente là pour maintenir tout un CRM à jour. Non, mais par contre, pour aller alimenter un petit segment, une petite valeur de segment qui est calculée par le biais de la BI, oui, ça peut être utile. Il ne faut pas que ce soit des trop grosses transformations, mais apporter une valeur ajoutée à ces outils-ci, c'est clairement là où veulent aller les solutions de business intelligence aujourd'hui. Et après, il y a toute la partie amont aussi à ça, hein, qui est dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui. Là, on était vraiment sur la fin de la chaîne de l'analyse de la donnée, la partie visualisation, mais on a la partie amont data intégration, où là, par contre, clairement, c'est le rôle de ces outils-là d'aller maintenir vos données, d'aller les mettre à jour en fonction de tout ce qui se passe au sein de vos données. Voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, je les ai sous les yeux. Il y en a une qui demande si avoir un data lake est nécessaire dans un projet de mise en place
de BI, plus que Data Lake, je pense que c'est middleware au sens large, en fait. Ouais. Là-dessus, ça dépendra du projet de BI. Data Lake, pas forcément. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on va retrouver souvent sur des très grosses structures. Après, oui, middleware, par contre, on les a de plus en plus souvent, surtout dans un contexte e-commerce où, comme on l'a vu, on a vraiment toute une panoplie de solutions. Et c'est là où le middleware, il a tout son intérêt, de venir centraliser tout ça dans peut-être plus qu'un data lake, déjà un data warehouse, voire un data mart. Et puis de construire justement ce catalogue de données dont on parlait en dernier lieu là pour avoir tout clé en main pour l'ensemble de l'entreprise, quoi. Il y a une question sur les profils impliqués dans le projet. Alors, Ouais. est-ce que c'est sur la phase de build ou sur la phase de Ouais. run? Mais en tout cas, l'importance de la question, c'est sur le fait que cette personne a une petite équipe e-commerce, trois OK. personnes, et du coup, comment les impliquer, quel type de profil impliquer au-delà de mon équipe. Ouais. Si c'est une petite équipe e-commerce, trois personnes, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut les impliquer les trois, puisque j'imagine qu'ils sont les trois amenés à faire de l'analyse de données et à se remplacer les uns les autres quand l'un est absent. Et c'est des profils en général qui sont assez multicasquettes. Nous, enfin, même sans parler de l'e-commerce, en BI, les principaux profils qu'on demande à intégrer dans ces projets, c'est déjà des utilisateurs métiers. C'est le métier parce que le but de la BI, c'est de répondre à des problématiques métiers. Et on intègre aussi, bien sûr, la DSI, mais on a toujours besoin d'avoir le métier pour définir les règles. Après, nous, on peut faire le passe-plat avec la DSI pour identifier où est-ce qu'on trouve la donnée. Donc après, toi, peut-être que tu connais mieux les rôles aussi qui existent au sein de ces projets e-commerce. Mais en tout cas, si le but, c'est d'aller faire des analyses plutôt orientées market, orientées campagne, bien sûr qu'il faut intégrer les personnes qui sont liées à ça. Si c'est plus de la logistique, on va aller faire enfin, intégrer l'équipe logistique. Et l'idéal, c'est d'avoir un peu de chaque profil, quoi. Et puis d'étendre progressivement aussi pour évangéliser, Ouais. parce que comme on l'a vu, on va pouvoir impliquer toutes les personnes qui sont impliquées dans le cycle de vie d'un produit, d'une commande, donc depuis l'équipe sales, depuis l'équipe produit, depuis l'équipe achat, jusqu'à l'équipe opérationnelle e-commerce, et puis potentiellement optimiser tout ce qui est flux logistique derrière pour tirer le ROI des actions, minimiser le taux de retour, enfin tout un tas de problématiques qui vont être adressées par des personnes différentes à l'échelle de l'entreprise, et que notre conseil, c'est pas forcément de chercher à tout Tout à adresser mettre, ouais. en priorité, mais plutôt de définir ces priorités avec les équipes les plus à même de prendre en charge le projet. Les plus matures aussi sur la Voilà. data, voilà, sur le Exactement. traitement de la donnée, celles qui sont le plus demandeuses, celles qui ont le plus de problématiques, et pas forcément tout de suite se dire on va aller aider, au contraire, ceux qui ont un peu plus de difficultés, mais déjà, aller un peu sur du quick wins et puis aller chercher ces équipes qui sont vraiment motivées, qui ont vraiment des besoins et qui voient l'intérêt de la BI pour leur faire gagner du temps au quotidien. Et c'est elles après qui vont propager tout ça naturellement en fait au sein de l'ensemble des équipes. Il n'y a pas trop de secret là-dessus. On peut peut-être prendre une dernière question, parce que je la trouve intéressante dans le OK. côté DXP et écosystème. Est-ce qu'un projet BI aujourd'hui est nécessairement technique ou est-ce qu'il est ouvert aux problématiques low-code, no-code? Très bonne question. Les outils de BI se veulent low code, no code de plus en plus parce que justement on parlait de self-service. Le self-service c'est quelque chose qui arrivait déjà il y a 3-4 années avec justement l'objet pour objectif de dire n'importe quel utilisateur doit pouvoir intégrer une nouvelle donnée et créer des nouvelles analyses de nouveaux dashboards. Donc ça c'est dans les faits, c'est la belle histoire. Ça c'est vrai quand on a une donnée qui en amont est déjà très propre, qui est déjà clé en main en fait. Donc quand on a déjà un catalogue de données qui est vraiment à dispo et qui va pouvoir s'analyser facilement. En revanche, si vous n'avez pas encore créé cette consolidation de données, si vous n'avez pas encore créé un data warehouse, un data mart et que votre donnée elle est encore éparpillée dans l'ensemble de vos solutions, vous n'avez pas mis en place ce middleware, là par contre, ça va être dur de dire on met en place une BI low code, no code sans par exemple passer plutôt par des exports de fichiers plats ou ce genre de choses. Parce qu'après, ça peut être aussi une première étape hein, de se dire moi j'ai besoin de rapidement avoir ces analyses.
Bon, bah, peut-être qu'on y va par étapes et qu'on se dit, OK, bah, commence par des exports de fichiers plats et que tu vas intégrer toi et du coup, tu es totalement autonome là-dessus. Et là, on peut être sur du no-code, effectivement. Et puis c'est un modèle qui s'enrichit Au fur et à mesure. au fur et à mesure, tout à fait. Enfin, on a fait de nombreux projets d'IA où on commence par des analyses e-commerce, je vais dire assez basiques et sans que ce soit péjoratif, où on va chercher à trouver la vérité sur un taux de conversion, enfin, des choses vraiment très, très, très basiques, parce qu'aujourd'hui, du fait de la multiplicité des outils, ben, un taux de conversion n'est pas nécessairement calculé de la même façon dans les outils qui sont embarqués. Donc le projet BI, bien souvent, il a permis au sein de ces entreprises à apporter une première source de vérité. Et puis ensuite, d'arriver à évangéliser dans l'entreprise, puis ensuite d'enrichir avec des données qui sont analytiques. Parfois, j'ai un exemple en tête, alors, avec le recul, ça paraît évident, mais de marchands de chaussures, où on a intégré les données météo sur les analyses prédictives, justement, pour... Alors, vous allez me dire que c'est évident qu'on vend plus de sandales quand il fait beau et plus de bottes quand il pleut. Mais malgré tout, avoir cette donnée-là, la météo à 10 jours et l'influence de la météo sur les produits en fonction du territoire de vente et du marché, ça a été quelque chose qu'on a enrichi progressivement avant de travailler sur des notions bien plus complémentaires et bien plus avancées, jusqu'à segmenter la base client et travailler sur des logiques de marketing automation en one-to-one en fonction des données comportemental de l'utilisateur, transactionnel de la plateforme et des données un peu plus exogènes comme la météo, le contexte ou même le jour du mois en fonction de la période d'achat si on était plus en début ou en fin de mois. Donc tout ça contribue à faire un projet complet à la fin, mais encore une fois, bien penser à avoir une approche pragmatique. Ça sert à rien de chercher dès le départ à intégrer toutes ces données. Le but étant encore une fois de filtrer aux données suffisantes mais efficaces plutôt que de se dire qu'il faut tout traquer. Combien parmi vous et parmi nous également ont cherché dans une stratégie analytics d'un GA ou d'un Matomo à traquer tous les événements possibles pour ne jamais aller analyser le résultat des actions entreprises. Donc vraiment le message est là sur cette problématique. Et puis bah, la flexibilité, de toute façon, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein. Une petite BI, l'objectif, c'est pas qu'il soit créé, enfin, c'est pas de créer un dashboard BI et que ça reste le même pendant 5 ans. Aujourd'hui, c'est des solutions qui doivent évoluer pour être utiles à l'entreprise. Ce qu'on a Je fait. pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas à vous manifester si vous en voyez d'autres. Dans tous les cas, en attendant, pour vous laisser le temps de poser les quelques dernières questions si vous en avez, la présentation et l'enregistrement de cette intervention vous sera partagé. On reste évidemment avec Fanny à votre disposition pour aller un peu plus en profondeur dans ces problématiques et surtout dans des approches un peu plus personnalisées que ce que nous permet l'exercice aujourd'hui. Et puis, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut vous remercier pour votre attention. J'espère que ça vous aura donné quelques idées et puis une vue un peu plus globale de ce que peut permettre la BI aujourd'hui au sein de vos activités e-commerce. Merci à tous. Merci à tous, bon appétit et à très vite. Au revoir.